Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'était il y a quelques heures, sur Twitter, Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexei Navalny, s'adressait directement au peuple russe. Bonjour, c'est Yulia Navalnaya. À ma place devrait se trouver une autre personne. Mais cet homme a été tué par Vladimir Poutine, quelque part dans une colonie au-delà du cercle polaire, où l'hiver est éternel. Poutine n'a pas juste tué un homme. Avec lui, il a tenté d'assassiner notre espoir, notre liberté et notre futur. Poutine n'a pas juste tué un homme, il a tenté d'assassiner notre espoir, notre liberté, notre futur. Trois jours après l'annonce de la mort du principal opposant russe, et alors que son corps n'a toujours pas été remis à sa famille, son épouse accuse le chef du Kremlin et promet à son peuple de continuer le combat. Une mort pointée du doigt comme un énième assassinat politique et qui a provoqué une onde de choc planétaire qui révèle à quel point Navalny était devenu un symbole. Mais un symbole de quoi et un symbole pour qui? Son élimination va-t-elle ébranler la société russe ou est-elle uniquement un signal envoyé par Poutine au reste du monde? Faut-il y voir un glissement du régime russe vers une nouvelle forme de fascisme? Le chef du Kremlin est-il désormais inarrêtable ou au contraire, cette mort va-t-elle provoquer un sursaut dans le camp occidental? Bienvenue, vous regardez C'est ce soir. C'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir Camille. On va donc, pendant cette heure, essayer de comprendre ensemble quel sens donner à la disparition d'Alexei Navalny. Et pour cela, nous recevons celui qui était son avocat. Bonsoir, William Bourdon. Bonsoir. Bienvenue. Vous connaissiez très bien Alexei Navalny pour l'avoir défendu ici en France. Depuis l'annonce de sa mort, vous dites que vous êtes absolument bouleversé, que Navalny était injuste et que sa mort est une injonction à poursuivre le combat. Un combat contre un régime qui semble se durcir de jour en jour. Bonsoir Nicolas Werth. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de l'Union soviétique, directeur de recherche au CNRS, également président de la branche française de l'ONG Mémorial, cette ONG dissoute par Poutine au début de la guerre en Ukraine pour le travail qu'elle menait sur la mémoire des crimes du régime soviétique. Et d'ailleurs hier, au Figaro, vous disiez que la mort d'Alexei Navalny nous renvoie au pire moment du stalinisme. Alors s'agit-il d'un retour en arrière ou le régime de Poutine est-il en train de glisser lentement vers une nouvelle forme de fascisme? Bonsoir Ksenia Bolchakova. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes franco-russe, journaliste d'investigation, prix Albert Londres 2022. L'année dernière, dans votre documentaire « Un peuple qui marche au pas », réalisé avec Véronica Dormant, vous décriviez ce que vous qualifiez de dérive fasciste du pouvoir russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Après la mort d'Alexei Navalny, vous dites que vous n'avez plus beaucoup d'espoir, que la machine répressive de l'État russe a réussi à engloutir toutes les voix dissidentes. La dissidence russe et sa relève, c'est vous qui l'incarnez sur ce plateau. Alexandre Lavutte, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez 18 ans et déjà 5 ans d'activisme politique derrière vous. Vous avez grandi en Russie, que vous avez quitté en mai 2022, quelques mois après le début de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, vous vivez en France et vous vous dites inquiet du manque de fermeté de la communauté internationale. Vous espérez que la mort de Navalny permette enfin un sursaut, une véritable prise de conscience du camp occidental. Cette question de la naïveté occidentale, on vous la posera également, Valérie Ayer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes l'unique politique responsable politique de ce plateau, eurodéputée, soutien d'Emmanuel Macron, présidente du groupe Renew au Parlement européen. Vous dites que face à Poutine, il est temps que l'Europe se réveille, mais en a-t-elle les moyens? Ça fait partie des questions qu'on vous posera ce soir. Merci à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après le billet qui est signé, comme tous les soirs, Pierre Michel. Я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплаты федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги... Ce sont les dernières images d'Alexei Navalny. Il s'exprimait jeudi en visioconférence devant un tribunal de Kovrov et depuis une prison de l'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans. Il est mort le lendemain, vendredi. Poutine est l'assassin d'Alexei Navalny, pouvait-on lire sur une pancarte d'un moscovite samedi. Navalny a été tué à cause de notre indifférence, pouvait-on lire aussi à Saint-Pétersbourg le même jour. Russie, après la mort de Navalny, une centaine de personnes arrêtées lors de rassemblements en sa mémoire. Ну, конечно, Навальный это символ в первую очередь.
La mort de Navalny, c'est plus que la disparition d'un opposant politique, c'est la disparition de toute opposition à Poutine. Я хочу, чтобы Путин, все его окружение, за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. Personne ne sait ce qui s'est passé, mais tout le monde en a une petite idée. Make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. Poutine responsable, mais on ne prononce pas le mot assassinat, on parle de brutalité, d'autres évoquent aussi une certaine fébrilité. Oui, la mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. Dans la Russie d'aujourd'hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à mort, a déclaré aussi Emmanuel Macron. La veuve de Navalny, elle, a été plus explicite aujourd'hui. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Elle a aussi dit qu'elle poursuivrait l'œuvre de son mari. Продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной. Dans moins d'un mois se tiennent les élections présidentielles en Russie. Et jusqu'ici, il n'y avait qu'un réel adversaire à Poutine. Il s'appelle Boris Nadejdin et il est le seul à réclamer un terme à la guerre. Тебе отчет, что 17 марта этого года будет сложно победить Путина. Но я надеюсь, что 17 марта, хотя, может быть, и не станет концом эпохи Путина, станет началом конца. Pas sûr, le 8 février, sa candidature a été jugée irrecevable par la commission électorale. Можно убрать Надеждина с выборов, не вопрос, можно. Но куда вы денете десятки миллионов людей, которые хотят перемен, которые не согласны с тем курсом, который сейчас в стране происходит? Вот в чем проблема. Mais ce n'est pas un problème pour Vladimir Poutine. William Bourdon, je commence avec vous. Je rappelle que vous étiez l'avocat de Navalny ici en France. Vous le défendiez dans une affaire d'escroquerie montée de toutes pièces par le pouvoir russe. Vendredi, lorsque vous avez appris sa mort, vous vous êtes dit complètement bouleversé et vous dites qu'avec la mort de Navalny, Poutine fait un immense bras d'honneur au monde entier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bah, d'abord, oui, Poutine fait un bras d'honneur parce qu'il dit au monde entier que rien ne l'arrêtera, qu'il a droit de vie et de mort sur tous ses opposants. Que le respect pour la vie est une valeur commune à l'Occident, mais une valeur qui lui est totalement étrangère. C'est une façon de dire, avec un cynisme absolu, je suis maître chez moi. Et c'est aussi un message qu'il envoie à l'Occident, mais qui vaut également pour l'Ukraine. Je suis aujourd'hui dans une mécanique, une logique absolument irréversible, et au point même d'ailleurs que on ne fait plus d'efforts pour cacher le mensonge. Hein. Toutes les manipulations, on en parlera peut-être, qui sont en cours sans doute sur le corps d'Alexei, qui devient un objet, un enjeu politique. C'est un funérail, il devient un enjeu politique. Toutes les manipulations les plus abjectes. Voilà, que des blouses blanches, des médecins à la solde de ce régime criminel. On peut imaginer des choses absolument sordides, démontrent jusqu'où ce régime est capable d'aller. Juste quand j'ai appris sa mort, évidemment, je me suis souvenu du moment quand je l'ai accompagné au tribunal de Vannes, où il était partie civile contre la société Yves Rocher, une procédure qui est pendante devant la Cour de cassation. Et il s'est assis comme ça devant le juge de province, le juge qu'il connaissait. Entre les délits maritimes et les affaires d'inceste, et qui est en face de lui, cette figure extraordinaire, et qui dit, mais pourquoi moi je suis content d'être devant un juge indépendant, un juge libre. Il était émerveillé. Et puis ensuite, à Berlin, où j'ai été 3 fois, une soirée très longue avec Agnès Calamar, dont j'avais demandé qu'elle mette en route un mécanisme onusien. Elle était rapporteuse spéciale sur Berlin, les exécutions. Berlin, c'est l'endroit où il a passé sa convalescence, voilà, après avoir été empoisonné à l'été 2020. Sortait de l'hôpital, où il avait été très bien soigné. Donc j'étais avec Agnès Calamar, qui avait accepté cette mission, qui a fait une mission d'enquête. Bien. Et honnêtement, je suis ému de me le rappeler devant vous. J'ai vécu un des moments les plus extraordinaires de ma vie, c'est-à-dire que dans une vie, combien on a cette chance, ce privilège de partager le regard, de voir le visage d'un homme qui incarne à ce point-là ce qu'on appelle la communauté des justes,
C'est évidemment un privilège et une fierté formidable. Et il était, voilà, je ne vais pas être trop long, mais il était à la fois incroyablement sympathique et attachant. Et on peut être un grand combattant de la liberté, et parfois un peu autiste et désagréable. Mais lui, il était formidablement gentil, délicat, avec sa femme, avec son entourage. Il était magnifique. Il était d'une résolution absolue sur ce que devait être son destin, c'est-à-dire pousser jusqu'à l'incandescence l'engagement. Et pousser jusqu'à l'incandescence l'engagement, c'est quoi? C'est faire le sacrifice de sa vie. Et il savait qu'il était en risque de faire le sacrifice de sa vie. Il l'a fait en communion avec Yulia. En communion avec Yulia, c'est un couple partenaire très uni. Voilà, et donc oui, bouleversé, comme évidemment des dizaines de millions de Russes et de citoyens à travers le monde. Ksenia Bolshakova, vous l'avez connue également, Alexeï Navalny. Je ne sais pas préciser en vous présentant que vous avez été correspondante à Moscou pendant plusieurs années et vous avez notamment couvert les grandes manifestations de contestation du pouvoir en 2010 et 2011. C'est ces manifestations qui l'ont fait émerger comme figure politique en Russie. Mais justement, oui. Moi, la première fois que je l'ai vu sur scène, c'était le 5 décembre 2011, juste après les élections législatives parfaitement truquées par le parti Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, et c'était une des premières manifs qui allait marquer justement cet hiver contestataire qu'a connu la Russie à l'hiver 2011-2012, et ce 5 décembre, il était très très grand, il faisait 1m88, et la scène était très petite, et il occupait absolument tout l'espace, il était agrippé à son micro, et il était d'une véhémence, d'une colère, et c'était absolument contagieux, c'est-à-dire que ce qui était fort aussi chez lui, c'était sa force, sa capacité à haranguer la foule et puis justement à rendre son message audible pour beaucoup beaucoup de gens. Et plus les manifestations se répétaient, parce que tous les jours après il y a eu des manifestations pour dénoncer ces fameuses élections, la foule grandissait, il y avait de plus en plus de gens qui venaient l'écouter et il est devenu vraiment en quelque sorte le leader incontestable de cette contestation. Il avait détrôné tous les leaders de l'opposition historique, comme même Boris Nemtsov, qui était plutôt une figure très très reconnue en Russie, ou même les jeunes opposants émergents comme Ilya Yashin. Vraiment, il avait pris le devant de la scène, très vite. C'est son charisme, c'est le message qu'il portait. Sa capacité à aussi marquer les esprits avec des slogans très forts. C'est-à-dire que c'est lui qui va inventer l'expression « Le parti de Vladimir Poutine, Russini, c'est le parti des escrocs et des voleurs ». Un slogan qu'il va répéter en boucle. Une autre phrase qu'il disait tout le temps sur scène, il disait « Muis dis vlast ». Le pouvoir ici, c'est nous. Et ce pouvoir, on va le reprendre. Et il avait des phrases comme ça, très très fortes, qui devenaient des slogans politiques. Et je pense qu'il y avait très peu de personnalités du même gabarit que lui à ce moment-là. Alexandre Lavutte, qu'est-ce qu'il représentait, Alexeï Navalny, pour un jeune homme comme vous qui s'est engagé en politique et contre le régime de Poutine dès le plus jeune âge? Pour moi, il existait depuis toujours parce que ma famille a été très engagée politiquement. Et donc, depuis mes 5 ans, j'entendais Navalny, Nemtsov et les autres noms. Mais moi-même, j'ai commencé à regarder son chaîne YouTube en 2017, quand j'avais 11 ou 12 ans. Et ça m'a frappé parce que c'était en même temps très sincère, ce qu'il disait, parce que on voulait croire à ce qu'il dit, parce que c'était des mots simples, des mots justes, avec des arguments. Et je voyais les images qu'il montrait avec ses palais, les dachas, les maisons de campagne de tous ses députés. Et moi, j'ai reconnu en cet homme quelqu'un qui va peut-être nous montrer une autre Russie, un autre pays. Et vous dites aussi que c'est le premier peut-être à avoir su parler à la jeunesse, le premier à s'être emparé des outils numériques. Vous disiez que vous regardez ces vidéos sur YouTube. La politique en Russie, après Balotne, après ces manifestations de 2011-2012, cette politique a été très très vieille.
Et Nemtsov, qui a été le pesant numéro un avant sa mort en 2015, il était quelqu'un des années 90. Et mes parents le connaissent très bien, parce que, comme tous les parents de ma génération, parce que voilà, les années 90, Yeltsin, tous ces politiciens-là. Et là, il y a Navalny qui vient et qui représente quelque chose d'absolument autre, et qui représente une jeunesse, et qui représente un politicien qui n'est pas issu de cette période historique qui est considérée par beaucoup de personnes comme corrompue, comme catastrophique. Il représente quelqu'un d'autre, très jeune et très européen. Et Boris Nemtsov, je le précise, qui a lui aussi été éliminé, pour le coup c'était en plein Moscou, par des agents du KGB. Nicolas Wörth, je pose la question à l'historien. William Bourdon nous parlait tout à l'heure du sacrifice qui a été fait par Alexei Navalny, qui malgré tout a choisi de retourner en Russie tout en sachant à peu près le sort qui l'attendait. En préparant l'émission, vous nous disiez que c'est quelque chose qui s'inscrit, qu'il faut inscrire dans la plus longue histoire de la Russie. Oui, bien sûr, cette notion au fond de, qu'on va se sacrifier pour le peuple, on la retrouve parmi les populistes, enfin dans le sens historique du terme, c'est-à-dire les non-marxistes, les pré-marxistes révolutionnaires russes de la fin du 19e. Les dissidents aussi, d'une certaine manière, bien sûr, aller enfin vers le peuple, enfin tout en sachant que il y a toujours en Russie ce fossé terrible entre l'élite et le peuple, et donc toujours finalement pour ces intellectuels une grande difficulté à aller vers le peuple. D'ailleurs, de ce point de vue, Navalny avait très vite compris, au début il avait milité dans un parti, je dirais un peu traditionnel, enfin disons post-soviétique, qui était Yabloko. Donc le parti, je dirais, social-démocrate ou social-chrétien. Mais dans ce parti, qui était le parti, disons, de l'intelligentsia moscovite et pétersbourgeoise, il a compris que, bon, il y avait un grand problème avec mépris pour le peuple, qu'on appelle les vatniki, les gens en doudoune, enfin, très pauvres, voilà. Et donc, il s'est dit, il faut aller, comment aller vers le peuple ? Alors, il a eu toutes sortes de périodes dans sa vie politique, à la fois longues et courtes. Après, il y a eu un moment, je veux dire, où il est allé vers un courant plus nationaliste entre 2007 et 2010. Et puis ensuite, il a compris qu'au fond, comment accrocher le peuple, sortir de sa passivité. Et il a eu cette idée de génie, au fond, qui est à la fois, on peut dire, aussi populiste, c'est-à-dire de lutter contre la corruption. Parce qu'au fond, Poutine se présentait comme celui qui aurait chassé les oligarques des années 90, toute cette pourriture, et une sorte de personnage qui a fait le ménage par rapport à ces oligarques qui sont enrichis après la chute de l'URSS. Or, c'est totalement faux. Il a montré qu'au fond, voilà, c'était le parti, la Russie unie et le parti de Poutine, c'était le parti des escrocs et des voleurs. Et donc, voilà, il a eu cette idée politique de très forte qui lui a valu, bien sûr, la haine inextinguible de Poutine, surtout quand il a montré le palais de Poutine, 39 fois la principauté de Monaco, les brosses de toilette à 700 euros, doré, etc. Enfin bon, il a choqué et il a eu évidemment des centaines, enfin ouais, plus de 110 millions de personnes qui ont vu des dizaines, voire des centaines voilà, de millions de fois en Russie. Cette extraordinaire vidéo d'une heure et demie, 1h50, qui est un travail, le résultat d'un travail d'investigation absolument extraordinaire de toute son équipe. Et je précise d'ailleurs que ce documentaire a été traduit en français par les équipes de Mediapart et que c'est actuellement en accès libre pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui seraient intéressés pour le voir. Je finis ce premier tour de table avec vous, Valérie Ayé. Comment, en tant que députée européenne, vous avez entendu cette nouvelle de la mort de Navalny vendredi? Comment est-ce que vous avez réagi? Ça a été un choc, évidemment, un bouleversement, même si on savait qu'à compter du moment où il avait fait le choix de retourner en Russie lui-même
avait énoncé, d'ailleurs je crois qu'il avait dit que si je meurs en prison, ce sera le signe que nous sommes extraordinairement forts. Oui, Alexei Navalny, c'est un combattant de la liberté et de la démocratie. Je crois que le mot de fébrilité a été évoqué tout à l'heure. Sa mort, elle révèle la fébrilité du régime de Vladimir Poutine. Un régime sûr de lui ne tue pas, a fortiori dans ces conditions-là. Et c'est très clairement un aveu de faiblesse. Alors quand on parle de Poutine et de la Russie, je crois qu'il faut faire le distinguo entre Vladimir Poutine et le peuple russe. On a vu notamment ce week-end également des manifestations par milliers, des arrestations par centaines aussi. Donc il y a aussi de la contestation en Russie et pas un soutien absolu à la politique menée par Vladimir Poutine. Donc je crois qu'il est faible dans son pays. Il faut aussi dire qu'il a des alliés, Vladimir Poutine. Il a des alliés en Europe. Et je crois que c'est important de le dire, il a des alliés en France, l'extrême droite, le Rassemblement national. Au Parlement européen, on a voté beaucoup de textes. Aucun d'entre eux n'a été soutenu par le Rassemblement national. Je pense aux textes dans lesquels on a condamné l'emprisonnement d'Alexei Navalny et demandé sa libération immédiate, les textes de sanctions du régime de Poutine, les textes de soutien à l'Ukraine, les textes qui appellent à protéger et à accueillir les enfants pour les protéger de la guerre. Tous ces textes-là, aucun de ces textes n'a été soutenu par le Rassemblement national. Et donc, ils sont aussi les porte-voix et les soutiens, les alliés de Vladimir Poutine en France. Et on aura l'occasion d'y revenir et d'en débattre aussi, même s'il n'y a pas non plus sur le plateau de représentants du Rassemblement national pour y répondre. On en reparlera. Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez. Vous évoquiez les hommages qu'on a vus en Russie, dans plus d'une dizaine de villes. Certains Russes qui ont eu le courage de venir déposer des fleurs pour rendre hommage à Alexei Navalny, ce qui a donné lieu aussi à un certain nombre d'arrestations. Mais c'est vrai que Xenia Bolchakova, qu'on a presque l'impression, on a vu des rassemblements spontanés un peu partout en Europe. On en a vu à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, à Berlin, à Londres, à Paris également. On voit ici quelques images. On a presque l'impression finalement que Navalny était un symbole plus pour les Occidentaux, les Européens, qu'à l'intérieur même de la Russie, où, à en croire certaines études, c'était une figure qui n'était pas forcément connue de tous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça ? Il y a plusieurs choses. D'abord, les personnes qui sont sorties manifester dans les grandes capitales européennes, pour la plupart, c'est des gens qui ont quitté la Russie après le début de l'invasion à grande échelle en février 2022. Donc ce sont des Russes de l'opposition, ce sont des journalistes en exil, ce sont des militants, ce sont des personnalités qui étaient poursuivies dans leur pays parce qu'ils étaient contre le régime de Vladimir Poutine. Donc la plupart, en plus de ces villes, on a vu beaucoup de gens sortir à Riga, à Tbilissi, c'est des villes qui ont accueilli beaucoup justement de ces exilés. La raison pour laquelle les Russes sont moins sortis dans les grandes villes russes, c'est parce que la machine répressive est à l'œuvre et que depuis que la guerre a commencé, on a un panel de lois absolument liberticides qui ont été votées. Aujourd'hui, pour discrédit des forces armées ou pour fake news ou pour même le fait de manifester, de faire une manifestation solitaire, ce qu'on appelle un piquet en russe, ce qui est normalement autorisé, on vous arrête et puis on vous envoie de toute façon en garde à vue. Donc la machine répressive, elle est absolument terrifiante et les gens ont tout simplement peur de sortir. Et puis, troisième point très important aussi, c'est que depuis son retour en Russie, en janvier 2021, le régime de Vladimir Poutine a passé sous silence complètement l'existence d'Alexei Navalny. Donc les gens à l'extérieur s'étaient beaucoup inquiétés pour lui, aussi bien au Parlement européen que les journalistes ou les activistes de l'opposition essayaient de faire parler de lui. Son équipe continue à faire parler de lui énormément. Mais à l'intérieur du pays, c'est un nom de famille qui était à peine prononcé. Et aujourd'hui, les médias d'État russe, il n'était jamais fait état de... Fait état d'Alexei Navalny. Vladimir Poutine lui-même n'a jamais prononcé son nom, c'est-à-dire que c'était toujours l'homme dont vous parlez, le patient de Berlin quand il était hospitalisé, ou quand il l'appelait le fameux le hamster qui regarde son écran d'ordinateur. À l'époque, il avait son blog anticorruption, justement. Il l'avait surnommé le hamster qui regarde son ordinateur, c'est-à-dire avec énormément de mépris. Et depuis qu'il était emprisonné, donc depuis janvier 2021, son nom de famille n'était jamais prononcé, et une grande partie de la population russe, et notamment il y a eu un sondage Levada
à croire ou pas, parce que c'est compliqué de faire des sondages aujourd'hui en Russie, mais qui disait que plus de 25% des Russes ne savaient pas qui était Navalny, alors qu'il y a 5 ans, ils étaient à peu près 18-20%. Donc déjà, la proportion de la population qui ne sait même pas qui est cet homme a augmenté. Mmh. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette absence ou au contraire cette mobilisation. Alors je voulais demander à l'historien si ça ne nous rappelait pas les crimes du stalinisme et notamment ces images d'effacement des dirigeants quand ils étaient écartés sur les photos officielles. Le silence jusqu'à la mort. Et ce silence qui n'est même plus un signal pour une possibilité de révolte populaire. Est-ce qu'on peut dire que Poutine s'inscrit dans une tradition historique à la Staline, dans sa technique d'éradication de toutes les révoltes ? Oui, bien sûr, de ce point de vue, tout à fait. Simplement, il ne faut jamais oublier les ordres de grandeur. Il y avait des millions de personnes au goulag. Maintenant, dans les colonies pénitentiaires russes, on a beaucoup de monde encore. Il y a à peu près... On sait le nombre de personnes. Oui, à peu près 500 000 personnes qui sont en prison. Alors évidemment, ce ne sont pas des politiques pour l'essentiel, mais ça montre au fond ce degré de criminalisation. Ce sont des opposants politiques non. Ou ce sont des détenus en majorité, ce sont justement... Bon, il y a une dureté de la peine pénale infiniment plus forte qu'en France. Enfin, je veux dire, le taux d'incarcération par 100 000 habitants est 10 fois, 15 fois plus élevé qu'en France. Donc, il y a c'est dans une tradition, si vous voulez, de la dureté, de la répression sociale. Enfin, voilà, voilà. Alors... Pour la comparaison avec le stalinisme, bien sûr, il faut évidemment tenir compte de ces grandes différences. Mais il faut aussi voir qu'aujourd'hui, on a, selon donc l'ONG Mémorial, qui prend vraiment, enfin, disons, des précautions très grandes pour préciser exactement qui est prisonnier politique. On en a environ 700 qui sont dûment répertoriés selon toutes les normes internationales comme prisonniers politiques. Mais ces derniers temps, c'est un minimum, hein, mais ces derniers temps, évidemment, les peines ont été considérablement durcies puisque, par exemple, un autre opposant, Vladimir Karamurza, a été condamné à 25 ans de prison, ce qui était sous Staline et uniquement après la guerre, la peine maximale. Donc, on arrive à des... Ivan Safron a fait 22 ans, Yuri Dmitriev a 15 ans, Navalny, c'était 19 ans, mais évidemment, ce sont des peines que n'importe quel tribunal, voire un tribunal de proche des camps, peut rajouter 5 ans s'il veut. Donc des peines évidemment très longues. Et Nicolas Vert, justement, le fait que la répression se durcisse, que les peines s'allongent, est-ce que c'est le signe, comme le disait tout à l'heure Valérie Ayer, finalement, est-ce que c'est un signe de faiblesse de la part de Vladimir Poutine qui a peur de toutes les forces d'opposition qui peuvent émerger dans son pays, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt le signe qu'il tient son pays et plutôt à prendre comme un signe de force ? Signe de faiblesse, je dirais plutôt que c'est une sorte de fuite en avant qui a été marquée enfin, par cette guerre contre l'Ukraine. Et au fond, aujourd'hui, et je pense qu'au fond, c'était peut-être une erreur de calcul politique de Navalny lorsqu'il est revenu. Parce que entre janvier 21, quand il est revenu, et ce qui se passe après... il y a une différence, enfin très grande. Navalny, jusqu'alors, avait été condamné à des peines relativement courtes, voire à du sursis. Et les choses ont quand même foncièrement changé à partir de 21. C'est la dissolution de Mémorial, la plus vieille et la plus éminente ONG, la plus respectée, ce qui semblait absolument impensable. Juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, avant. Comme un signe absolument, extrêmement inquiétant. Voilà, 29 décembre, la guerre 6 semaines plus tard. Donc voilà, il y a un durcissement absolument incroyable qui est lié aussi, évidemment, à la guerre, et à une société enfin, en guerre, et un pays en guerre, qui se durcit forcément.
William Bourdon, est-ce que d'une certaine façon, Navalny, lorsqu'il décide de retourner en Russie, il n'a peut-être pas conscience du fait que Poutine peut aller jusqu'au bout et aller jusqu'à l'éliminer? Ou c'est un risque qu'il prend en sachant très bien ce qui peut l'attendre? Moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il était tout à fait conscient du fait que le pire était possible. Je pense que vous avez raison de dire qu'il y a un seuil supplémentaire dans la répression, mais en janvier 2021, l'appareil répressif, la mécanique répressive était déjà largement en route. Il y a une peine qui a été prononcée de 13 ans. Il sait qu'il va exécuter, qu'il doit exécuter une peine très longue et que les possibilités d'appel, de révision sont absolument nulles. Et il sait qu'il risque d'être placé dans des conditions de détention extrêmement difficiles. Et surtout, il sait la haine absolue, comme vous le disiez, de Poutine pour lui. Il sait qu'il est devenu l'ennemi public numéro un. Alors c'est vrai qu'en même temps, il a disparu... Après Prigogine. Oui, absolument. Bien sûr. Rapidement bien sûr. Il sait qu'il a, tout a été fait pour l'effacer dans la conscience collective russe, c'est ce que vous disiez, avec d'autant plus d'ardeur et d'intensité qu'il faut se souvenir qu'en 2013, il était second aux élections municipales de Moscou, en dépit de toutes les possibilités de fraude électorale. 27% donc, plus devenu des populaire, voix, c'était son score. On a tout fait pour l'effacer. Et je ne crois pas non plus que ça soit de la part de Poutine un aveu de faiblesse. Je crois qu'il est sur le vent en poupe, là, Poutine. Ce qui se passe à Gaza, la fragmentation de la communauté internationale. Ce qui se passe en Ukraine aussi. Ce qui se passe en Ukraine. Il a un mandat d'arrêt international. Il a un mandat d'arrêt international délivré par le procureur de la Cour pénale internationale. Est-ce que ça l'empêche d'aller le faire le fanfaron en Inde, en Chine, dans un certain nombre de pays arabes, à Téhéran? Pas du tout. Donc, il se sent, mais jusqu'à un certain point, alors vous avez raison de dire que c'est dans une logique de fuite en avant. Non, je pense que, juste je termine là-dessus, Alexei est un homme d'une très grande lucidité. Il savait que ses équipes étaient déjà largement persécutées et commençaient à s'exiler. Et il a dit très vite, quand il est arrivé en détention, qu'il risquait d'être empoisonné. Et juste un point, l'effacement dont vous parliez, Laura Adler, c'est jusqu'à l'effacement du corps. C'est jusqu'à l'interdiction des funérailles, c'est-à-dire l'obsession des pouvoirs russes, c'est de garder le corps le plus longtemps possible, parce que tout faire pour éviter les funérailles, un mémorial, un lieu de rassemblement, de deuil, et avec une atteinte à la dignité de la famille, à la vie privée de la famille, au deuil, d'une cruauté qui vient se rajouter à toutes les autres cruautés. Alexandre Lavut. Je voulais juste ajouter que je pense que Navalny n'avait aucun doute de ce qui va se passer avec lui en Russie, parce que il n'y avait pas un moment quand on avait en doute que Poutine est assassin, en fait. Parce qu'il y a une tendance qui commence dès son premier quinquennat. Et on l'a vu avec Khodorkovsky en 2003, on l'a vu avec la guerre en Géorgie, qu'on a presque oublié aujourd'hui en 2008. On l'a vu avec l'assassinat de Anna Politkovskaya en 2006, le jour d'anniversaire de Vladimir Poutine, le 7 octobre. Et bien sûr avec Boris Nemtsov qui a été tué devant le Kremlin en 2015, en février. Ce que je veux dire, c'est que Poutine a une tradition très longue d'élimination de ses opposants politiques. Et avec Navalny qui était resté seul sur le terrain de la bataille, c'était vraiment une obsession parce que, comme on disait tout à l'heure, le nom de Navalny, il a été interdit en Russie. C'est-à-dire que dans l'espace public dépendant du pouvoir russe, si on ne prend pas les médias indépendants qui ont été exilés très rapidement, même avant la guerre, on n'entendait pas dire le mot Navalny. C'est comme le mot guerre au début de la guerre en Ukraine. Donc le régime de Poutine vraiment veut effacer tout ce qui est de Navalny, et on le voit aussi avec les actions de commémoration de Navalny, où même quand les gens veulent commémorer quelqu'un très puissant, très populaire, quelqu'un très célèbre en Russie, les policiers et le système ne veulent pas voir ces gens-là dans la rue.
Xenia Bolchakova. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce débat sur la force ou la faiblesse. C'est-à-dire que vous dites que Poutine fanfaronne, et je suis assez d'accord avec vous, parce que quand même, depuis le début de la guerre, sa cote de popularité est remontée. Il s'est débarrassé de toutes les personnes qui pouvaient éventuellement se mettre sur son chemin. C'est-à-dire qu'on a, on a eu quand même une tentative de coup d'État en juin dernier qui était menée par Evgeny Prigogine, le feu patron de la milice Wagner qui marchait sur Moscou avec 25 000 hommes. Il a été abattu deux mois plus tard. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais en ce moment, on parle quand même de la mort du challenger numéro 1 de Vladimir Poutine, qui est Alexei Navalny. Il l'a éliminé aussi. Il est plus populaire que jamais parce qu'en fait, toute la dissidence a été réduite au silence. L'éducation de la jeunesse a été totalement reprise en main. On a 2 millions de gamins qui sont dans les jeunesses militaro-patriotiques et qui ont bourre le crâne du matin au soir. On a un contrôle total des médias. Il n'y a plus un seul média indépendant, c'est-à-dire que tout le monde a mis la clé sous la porte. Il n'a jamais été aussi puissant et aussi fort et aussi bien dans ses baskets. Regardez l'image, juste pour terminer. Il y a le jour de la mort d'Alexei Navalny, il était à une conférence et on lui annonce. Il n'a pas prononcé son nom, mais il donne une conférence. Il est rieur, il est heureux. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui me trouble et c'est ça qui me terrifie. C'est-à-dire que là, il est vraiment sur une lancée où rien ne semble pouvoir l'arrêter, où il est absolument terrifiant et plus que jamais terrifiant. Mais justement, je voulais demander à William Bourdon s'il n'y avait pas une dimension dans la mort de Navalny, que ça soit un assassinat, je crois que tout le monde en convient, mais qui s'adresse à nous occidentaux, pas seulement à son propre pays. Il ne tue pas seulement un opposant, il tue quelqu'un qui s'est opposé à lui intellectuellement, politiquement, qui était vivant. Il atteint la vie elle-même. Et la possibilité même de l'avenir, c'est-à-dire dans ce symbolique-là, il n'y a plus de nom, il n'y a plus de symbolique, il n'y a plus d'opposition. Est-ce que ce n'est pas un signe vers nous, occidentaux, aussi ? Alors, c'est évidemment un message, j'évite un message polysémique, c'est évidemment, c'est ce que vous dites. C'est aussi un message, le droit international est en train de droit international humanitaire, le droit des droits humains, toutes ces fariboles dont vous nous parlez, vous essayez de continuer à les universaliser. Moi, je vais les désuniversaliser. Et j'ai des pays, notamment en Afrique ou ailleurs, qui pour des tas de raisons historiques liées à tous les effets toxiques de la période coloniale et postcoloniale et du mépris qu'ils ont subi, qu'ils ont ressenti de la part de l'Occident, ne sont pas mécontents de participer à ce démantèlement, cette déconstruction de cet appareil universel qui s'appelle la protection des droits humains. Eh bien, lui, il joue, il surfe là-dessus. Et puis, il envoie un message aussi. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Londres, quand même. Je suis capable d'atteindre les opposants, y compris en Europe, partout où vous serez, à travers le monde. Vous pourriez vous terrer dans n'importe quelle cabane, n'importe quelle tanière. Je vous atteindrai. Et c'est ça la dimension absolument monstrueuse et maléfique que ce personnage a acquis aujourd'hui. Très rancunier. Comment Valérie Hayer, quand on est députée européenne, comment on entend ça ? Non, je voulais juste souligner aussi une dimension d'affaiblissement qui est réelle, indépendamment de tout ce que vous expliquez là. C'est que sa guerre en Ukraine, il devait la gagner en 2 mois. 2 ans après, on y est toujours. Il n'a toujours pas perdu. Hein. Il n'a toujours pas perdu, mais il n'a toujours pas gagné. Et on va faire le maximum pour que l'Ukraine recouvre son intégrité territoriale. Oui. Et par ailleurs, et en parallèle, ce qu'on voit, c'est qu'il attaque nos démocraties. Il y a des entreprises de déstabilisation de nos démocraties, avec de la désinformation, avec des alliés au sein même de l'Union européenne. Il cherche à saper la confiance des Européens dans nos dirigeants. Il a été probablement, je crois, surpris par l'unité des Européens dans le train de sanctions vis-à-vis de la Russie et par l'unité des Européens dans le soutien à l'Ukraine. Et l'enjeu majeur pour lui maintenant, c'est d'essayer de déstabiliser nos opinions publiques pour que leur soutien au fait de supporter l'Ukraine s'amenuise. Mais est-ce qu'on en a suffisamment pris conscience ? Est-ce qu'on n'a pas, souvent, avec la Russie, toujours une longueur de retard, toujours un train de retard Il y a des prises de conscience, mais est-ce qu'elles n'arrivent pas un petit peu tard à chaque fois pour se défendre ? Le président de la République l'a dit l'année dernière à Bratislava, nous, Européens de l'Ouest, on n'a pas su écouter suffisamment les alertes des Européens de l'Est, qui, dès 2014, avaient alerté en disant « Attention, Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à la Crimée et le risque, il est majeur ». En 2022, il y a eu un sursaut
Il y a eu cet électrochoc de la guerre en Ukraine et on a su avoir une réponse rapide en européen à la menace russe. Et puis, alors c'est l'un des inconvénients de la construction européenne. Quand on est dans la machine, notamment au Parlement européen, on veut toujours pousser plus. Mais il y a aussi cette réalité des États qui fait qu'on fonctionne par sentiment d'urgence. Il y a eu le sentiment d'urgence en 2022, il y a eu des décisions, des sanctions, un soutien à l'Ukraine. Et puis ça s'était peut-être un peu affaissé. Et aujourd'hui, on arrive dans une nouvelle configuration avec un Vladimir Poutine qui est de plus en plus agressif, avec les menaces, enfin, les tentatives de déstabilisation de nos opinions publiques, la mort d'Alexei Navalny, les sorties du candidat Trump aussi, s'agissant de la sécurité, de la sécurité internationale. Donc on arrive à un nouveau mouvement et un nouveau sentiment d'urgence qui fait aussi que les discours et les actes commencent à changer et on accélère vraiment sur la question, notamment la défense européenne. Le problème, si je peux me permettre, c'est que les démocraties occidentales ne sont absolument pas du tout prêtes à se battre avec les mêmes armes. Et Vladimir Poutine le sait très bien. Par exemple, vous citiez les opérations, les campagnes de désinformation. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur le groupe Wagner, enquêté là-dessus, et un des rôles du groupe Wagner, c'était pas seulement d'envoyer des gros bras armés de Kalachnikov dans des pays africains, c'était aussi de mener des campagnes de désinformation. Et beaucoup de responsables français nous disaient, en fait, malheureusement, on ne peut pas faire la même chose. On ne peut pas créer 100 000 faux comptes et inonder Internet de fake news. On n'a pas le droit de faire ça parce qu'on a une certaine morale en politique, on ne peut pas faire ça. Et Vladimir Poutine et toutes les personnes qui l'entourent dans son système le savent très bien. Les démocraties occidentales ne sont pas prêtes à se battre avec les mêmes armes. Il en profite. Ici, on ne tue pas ses opposants. Ici, on ne déclenche pas des guerres contre les voisins. Enfin, il y a tout un certain champ qui est ouvert maintenant devant lui. C'est pour ça que je dis qu'il est fort et terrifiant. C'est parce que... Sans parler de l'espace avec les nouvelles Sans parler menaces. De l'espace, sans parler de ce qui est en train de se passer en Afrique aussi, quand même, et la reprise en main de la Russie, de toutes les anciennes colonies françaises qui sont en train de tourner le dos à Paris. Donc, il y a quand même un jeu d'influence, et vous avez raison. Il mène une guerre à l'Occident, il mène une guerre frontale, et il est persuadé d'avoir l'avantage. Et tant qu'il n'y aura pas des décisions fortes, tant qu'il n'y aura pas vraiment j'allais dire des gros coups de poing sur la table, ça va pas changer. Oui, ça serait quoi ? On vous sent, oui, ce serait quoi une décision forte ? Et c'est vrai que depuis le début de cette émission, Ksenia Bolshakova, on vous sent très désabusé finalement. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites que Poutine a gagné ou qu'il est invincible ou pas est-ce du qu'on tout. Peut encore prendre d'invincible force, Je suis extrêmement force pessimiste. Je suis extrêmement triste par ce qui se passe dans mon pays d'origine et j'aimerais bien que ça change. Voilà. Après, je n'ai pas la solution. Hein. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être penser à être un tout petit peu plus offensif. Nicolas Werth ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur sur le fait qu'il se sent quand même très fort. Et que, au fond, si on regarde, les sanctions n'ont pas eu l'effet voulu. Et au fond, on n'est pas arrivé à casser ce contrat social réussi entre Poutine et sa société, à savoir que d'un côté, vous me laissez faire de la politique et moi, je vous assure un niveau de vie, en tout cas aux classes moyennes, plus que correct. Il faut voir qu'il y a une telle différence, c'est ce que me disent tous mes amis, enfin russes, entre les années 90 où vraiment ils se sentaient humiliés, où il n'y avait rien dans les magasins, et aujourd'hui, qu'en tout cas, ce qui compte, la classe moyenne, urbaine, éduquée, se sent au fond privilégié, trouve qu'il y a un progrès économique et n'est pas prêt à lâcher le régime. Et au fond, là, les sanctions, malheureusement, n'ont pas eu pour l'instant, peut-être à plus long terme, mais en tout cas cet effet. Et il y a quand même un soutien important de ceux qui comptent. Parce que regardez par exemple ce qui se passe avec la guerre. Quels sont ceux qui sont morts à la guerre, les dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de Russes qui sont morts à la guerre? C'est le petit peuple des régions périphériques, ce sont les détenus à la limite. Poutine est content de se débarrasser de ce qu'il appelle cette lie de la société pour qui sert de chair à canon et qui, justement, aujourd'hui, dans cette guerre contre l'Ukraine, donne tant de mal à l'Ukraine qui n'arrive pas à endiguer ces vagues et ces vagues et ces vagues de combattants que l'on envoie vraiment, que l'on traite comme la chair à canon. Par contre, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans les élites
urbaine, ce ne sont pas les gens qui meurent, ces gens-là, ces jeunes qui meurent à la guerre. Au contraire, tout se passe très bien à Moscou, à Saint-Pétersbourg, on va en boîte, on s'amuse, enfin, il y a tout cet aspect-là. On n'a presque pas conscience qu'une guerre est en train d'avoir lieu, ou c'est quelque chose qui paraît assez lointain? Ça paraît très lointain, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ça n'existe pas. J'ai parlé avec une amie hier, qui habite à Londres maintenant, et qui a une autre amie qui lui dit, mais allez, on va à Moscou. Bah, y a des restos qui s'ouvrent, y a des boîtes, c'est amusant. On va y aller. Et en plus, c'est pas trop cher parce qu'en Europe, c'est cher quand même. Et donc, oui, y a cette indifférence absolue dans les grandes villes parce que Poutine a essayé, il a compris avec la mobilisation notamment que le sujet de la guerre est très sensible pour la population urbaine et que les gens fuient la mobilisation, et que c'est beaucoup plus simple de travailler avec le peuple qui n'a pas de moyens, qui n'est pas très éduqué, qui ne sait pas ses droits, qui ne sait pas les lois. Et donc il est allé dans les provinces, dans les républiques notamment ethniques russes, comme la Bashkirie, où en fait il prend les gens qui ne sont pas russes pour qu'ils meurent pour un monde russe. Mais ce que je veux remarquer aussi, c'est que, oui, c'est vrai, il y a une autre attitude vers... Il y a une autre compréhension de ce que c'est la valeur de la vie humaine à l'Occident et en Russie. Parce que, comme on l'a vu avec la bataille d'Avdiivka, qui vient de se terminer hier ou avant-hier, il y avait un Ukrainien pour 7 Russes. C'est-à-dire que Poutine... Pour lui, les hommes, ce sont les nombres. Et si on se débarrasse des nombres, ça fait du bien. Et pour les Ukrainiens, pour les Occidentaux, ce n'est pas le cas. Et pour eux, c'est très important, la vie humaine. Et juste le dernier point, c'est que je crois que la mort de Navalny, elle marque une rupture complète entre le régime de Poutine qu'il a construit depuis ses 24 ans, en disant que oui, on n'est pas en démocratie, mais quand même il y a des élections, mais quand même il y a des opposants. Non, c'est une rupture complète. Ce n'est plus une dictature de mensonge, ce n'est plus un spin dictator, comme le disait dans son livre Sergei Gouriev. C'est quelqu'un qui s'appuie sur la peur, sur la terreur et sur les répressions brutales de la population. Et ça, c'est ce que vous décriviez dans votre documentaire par l'année dernière, un peuple qui marche au pas, Ksenia Bolchakova. C'est ce qu'on essayait de décrypter avec Véronica Dormant, avec qui j'avais fait ce travail. On essayait de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'était passé dans la tête des Russes et pourquoi tout le monde n'était pas sorti massivement manifester dans les rues au lendemain du début de l'invasion. Et on a essayé d'analyser un certain nombre de phénomènes. Il y a eu bien sûr la propagande à la télévision, mais il y a eu toute la machine répressive mise en place. Il y a eu cette culture de la violence aussi qui est intrinsèque à la société russe. On parlait des prisonniers, mais je crois qu'il y a un homme russe sur 10 qui a fait de la prison ferme, donc pour des crimes sérieux. C'est quand même beaucoup aussi. La culture du bizutage dans l'armée. Enfin, tout ça explique beaucoup de choses. Et ce régime aussi qui finalement s'est nourri de cette violence qui venait de la société. Et les rapports sont extrêmement violents. Vous disiez aussi tout à l'heure, entre le russe du peuple et le pouvoir, il y a cette espèce de fossé gigantesque. Et donc voilà. Juste une précision pour celles et ceux qui nous regardent. Ukraine sur les traces du bourreau, ça c'est votre nouveau documentaire. Oui. Celui qu'on évoquait à l'instant, c'est celui paru l'année dernière et qui s'appelle Russie, un peuple qui marche au pas. Nicolas Vert, vous vouliez réagir ? Non, je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec vous. Donc, tout ceci s'inscrit dans une longue tradition, et vous avez prononcé le mot violence, qui est, au fond, et vous, le fait que la vie humaine ne compte pas. Oui, c'est la même chose, c'est dans le même ordre de choses. William Bourdon. Il y a un double effet d'opportunité. D'abord, il y a le passif occidental terrible depuis des décennies, qu'on porte tous. Je n'ai pas d'hystériser, un devoir de repentance. Mais tous les crimes commis par l'Occident, il les ressasse en permanence. Notre indifférence, comme a dit la veuve de Navalny. Notre indifférence, il les ressasse. Notre indifférence. Le sentiment
une perception très forte de la grande majorité des pays de la planète d'un deux poids deux mesures, dans l'indignation, dans la mobilisation, dans le droit d'ingérence. Il pousse le cynisme au paroxysme quand il se met du côté des Palestiniens en disant « qu'est-ce que c'est que ce deux poids deux mesures ? Regardez-vous, vous ne cessez de pleurnicher sur ce qui se passe en Ukraine et regardez comment vous avez soutenu l'invasion de Gaza et vous continuez à donner une espèce de blanc-seing, même si c'est en train de changer avec les seuils de crimes qui sont commis à Gaza, et le blanc-seing que vous avez donné à Netanyahou pour commettre l'irréparable, où il y a quand même eu à Gaza trois fois plus de morts civiles en trois mois qu'il y en a eu en Ukraine. Donc d'une certaine façon, Vladimir Poutine met l'Occident face à ses contradictions. Avec son passé, avec son drapeau universaliste qui aujourd'hui, malheureusement, du fait des crimes commis aussi par les Américains à Gaza, à Abu Ghraib, la guerre malheureuse, épouvantable comme en Irak, avec notre drapeau universel déchiré, piétiné. Et il manipule ce passif, il manipule ce miroir qu'on lui renvoie, d'une face, avec un talent tout à fait exceptionnel, pour devenir le nouveau mentor d'un certain nombre de pays africains, voire demain de pays latino-américains, le nouveau mentor, la seule référence idéologique aujourd'hui qui à leurs yeux, devrait leur apparaître respectable par rapport à un Occident impuissant, décadent et disqualifié. Et c'est quand même un tour de passe-passe qu'il joue là sous nos yeux, absolument abominable. Les contradictions occidentales, Valérie Ayé, est-ce que c'est notre faiblesse face à Vladimir Poutine ? Je crois que c'est le discours et le narratif qu'il essaie de diffuser, évidemment, en nouant des partenariats privilégiés avec, vous l'avez dit, des pays d'Amérique latine, des pays d'Afrique. Donc il n'y a pas de contradiction, il ne met pas le doigt sur quelque chose, peut-être, Vladimir Poutine, en tirant ces ficelles-là, en jouant sur ces cordes-là ? Typiquement, sur l'exemple que vous avez donné, il y a eu un rééquilibrage, comme vous l'avez dit, qui a été fait de manière assez nette. Donc il essaie de saper nos démocraties, il essaie d'opposer deux camps, et notamment effectivement, vous l'avez explicité, cet Occident qui serait décadent. Mais sur les contradictions, je prends un exemple, c'est Vladimir Poutine en 2007 à Munich qui fait un discours et qui dit vous me donnez des leçons à nous Russes, mais vous êtes partis, les États-Unis, un certain nombre de pays occidentaux ont envahi l'Irak. Regardez ce que vous faites en Irak. C'est là que je demande s'il met le doigt peut-être aussi sur quelque chose. Oui, pour le coup, par exemple, là-dessus, effectivement, il utilise les points de fragilité du camp occidental, entre guillemets. Et par ailleurs, c'est intéressant d'écouter ce que Biden a dit, notamment à Netanyahou, ces dernières semaines. Donc évidemment, il utilise ça, et il y a cette rhétorique anti-occidentale, tout simplement parce que les valeurs de l'Occident, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est le refus de l'oppression. Et c'est évidemment toutes ces valeurs-là qui sont intrinsèquement étrangères et orthogonales avec le régime qu'il a construit, lui, en Russie. Alexandre Lavitte. Je crois que l'un des plus grands avantages et en même temps le plus grand problème de Poutine, c'est qu'il n'a pas d'idéologie. Donc il n'a pas d'idée, il n'a pas de ce drapeau et il doit mettre quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je crois qu'il essaie de reconstruire une situation d'une sorte de guerre froide. Une nouvelle guerre froide où il y a le Grand Sud, les pays africains, certains pays arabes, certains pays d'Amérique latine qui vont peut-être pas se regrouper vers la Russie ou être alliés à la Russie, mais peut-être qu'ils vont être d'accord avec cette rhétorique anti-occidentale et ce nouveau monde proposé par Vladimir Poutine où l'Occident n'est plus le moteur de, comme vous disiez, la démocratie, la liberté, les droits humains. Poutine veut proposer quelque chose d'autre parce qu'il sait qu'il y a une forte demande dans le monde et donc il essaie de l'utiliser à son avantage. Et je reviens sur ce que disait tout à l'heure Ksenia Bolshakova, il faudrait des décisions fortes, des actes forts face à Poutine. Alexandre Lavutte, vous qui déplorez, je le disais en vous présentant, une forme de naïveté, de retard de l'Occident, vous dites qu'on a du mal à comprendre exactement ce qui se joue dans cette confrontation avec la Russie. Quelle décision, quel changement de politique est-ce que vous appelleriez de vos voeux? Bah d'abord, je trouve que toutes les mesures qui ont été prises après le début de la guerre, ils étaient très en retard. D'abord parce qu'il y avait l'annexion de la Crimée,
en 2014, il y a eu des sanctions, il y a eu des mesures à cette époque-là, mais je trouve qu'ils n'étaient pas assez fermes, assez fortes, pour d'abord alerter Poutine qu'en fait, ce que vous faites là en Europe, c'est la violation du droit international. Et puis, si vous allez continuer à faire ça, on va faire mieux. Et quand, en 2022, tout le monde disait qu'en fait, oui, on pense qu'il y aura une invasion, mais quand même, on ne sait pas trop pourquoi elle va le faire. Et il est quand même rationnel, il ne va pas y aller. Finalement, il y est allé et personne ne savait quoi faire. Et je trouve que dans ces années, l'Europe est en retard et essaye de reprendre tout ce qui est perdu. Maintenant, je le vois, je vois ces tentatives. Mais par rapport à la situation en Russie, les prisonniers politiques, je trouve qu'il faut parler des prisonniers politiques en Russie. Il faut parler plus, il faut parler mieux. Il faut proposer les solutions d'échange entre les pays occidentaux et la Russie, parce que je sais qu'en Europe et aux États-Unis, il y en a plein de personnes qui sont intéressantes pour Poutine et qui peuvent être proposées à un échange aux autorités russes. Et puis juste, moi je suis convaincu que Navalny est mort, pas justement parce qu'il y a des élections qui approchent, il y a Poutine qui veut qu'il soit mort. Il y a aussi cette question du silence. Je trouve qu'on a parlé beaucoup de Navalny ces dernières trois années, et là, avec la guerre en Ukraine, malheureusement, c'est la guerre, on a un peu oublié son nom. Et avec ce silence, Poutine l'a d'abord envoyé au nord, et puis il l'a tué. Et il y a des milliers de prisonniers politiques en Russie qui sont maintenant en danger énorme d'avoir le sort de Navalny. Et il faut en parler. Et je suis là, et je pense qu'on est tous un peu là dans les médias français, dans les médias européens, pour en parler, pour parler de ces personnes-là, pour qu'elles ne soient pas oubliées, en fait. Xenia Bolshakova. Moi, je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même rajouter quelque chose d'assez important, parce qu'on parle de Poutine et de Navalny, donc un peu ces figures de méchants et de gentils depuis tout à l'heure. Mais ce qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, c'est que c'est tout le système, tout le régime russe qui est complice des crimes. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, il y a eu cette erreur d'affiche sur un documentaire sur lequel j'ai travaillé pendant deux ans, sur les crimes de guerre commis par l'armée russe et les supplétifs de cette armée en Ukraine. Et on s'est rendu compte au cours de cette enquête que absolument toutes les administrations russes étaient mêlées à ces crimes. L'administration pénitentiaire russe, qui est en partie responsable de la mort de Navalny, eh bien c'est elle qui a déporté et qui a emmené des civils majeurs ukrainiens en Russie. On compte, il y a à peu près 2000 civils ukrainiens aujourd'hui qui sont retenus dans des prisons russes, qui n'ont rien fait, c'est des civils, qui ont été kidnappés littéralement dans leur village. Eh bien c'est qui s'occupe de ces gens-là, c'est l'administration pénitentiaire russe. Qui a déporté les enfants et organisé une partie de ces déportations des enfants d'Ukraine vers la Russie? Eh bien c'est le ministère de l'éducation russe. En fait, il ne faut jamais perdre de vue ça aussi. Peut-être quand on parle de mesures, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est pas seulement à chaque fois dire Poutine et des sanctions sur son entourage très proche. Est-ce qu'il ne faut pas élargir ça à des responsables de toutes ces administrations? C'est peut-être ces questions-là qu'il faut se poser, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un homme seul, devenu fou, isolé dans sa tour d'ivoire, qui commet des crimes à foison. C'est un système qui compte des milliers et des milliers de personnes fidèles à leur maître et qui commettent ces crimes tous à l'unisson. Donc c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Wirth ? Pour reprendre et poursuivre, je fais un peu de publicité pour ma chapelle. Sur notre site de notre association, donc Mémorial France, donc memorialfrance.org, nous avons deux rubriques auxquelles je tiens beaucoup. L'une s'appelle « La Russie qui proteste ». Donc on a des centaines et des centaines de petites vidéos ou de photos avec des exemples de ces micro-protestations, accrocher quelque chose sur sa voiture contre la guerre ou sortir seul avec un petit pic, avec une pancarte, etc. Et puis le deuxième type de vidéo que l'on a, c'est justement, ça s'appelle Voix de guerre, que nous faisons avec nos collègues d'Ukraine. Et ce sont des petites vidéos, des témoignages, des dizaines et des dizaines de témoignages d'Ukrainiens civils victimes des crimes de guerre russes.
Voilà, donc il faut en effet, je pense que chacun à son petit niveau peut essayer de documenter cela. Et que, en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas seulement Poutine, c'est tout un appareil d'État corrompu, mais aussi qui, comme pour Hitler, enfin, je veux dire, on ne peut pas parler uniquement d'Hitler, c'est un appareil d'État avec des dizaines et des centaines de milliers de gens qui participent à cette politique. Et Valérie, il y a sur cette idée de Ksenia Bolchakova de non seulement sanctionner Poutine, mais l'ensemble de l'appareil d'État, l'ensemble des responsables des administrations. D'abord, je voudrais rappeler, d'élargir le champ des sanctions. Ça a été dit à l'instant, mais alors évidemment, c'est jamais assez vite et c'est jamais assez fort. Mais quand même, l'unité des Européens au lendemain du déclenchement de la guerre, elle a été là. Et je suis convaincue que Vladimir Poutine a parié sur le fait que les Européens ne sauraient pas s'unir. À la fin, on a eu 12 trains de sanctions depuis 2 ans maintenant, des décisions unanimes en soutien à l'Ukraine, et je pense que c'est important de le rappeler. L'enjeu aujourd'hui des sanctions, c'est qu'elles soient les plus efficaces possibles. On a effectivement ciblé Vladimir Poutine, on a ciblé son entourage, le rouble a chuté de 40%, on a d'autres problématiques économiques qui se posent. L'enjeu, c'est d'assurer, d'éviter le contournement des sanctions. Et c'est l'enjeu du prochain paquet de sanctions également. Et c'est ça, en fait. C'est comment on s'assure que ces sanctions, elles soient effectivement mises en œuvre, qu'elles ne soient pas contournées. Et c'est là que c'est le plus difficile pour nous. Parce que pour l'instant, ces sanctions, elles n'ont pas arrêté Vladimir Poutine. Pas encore. Mais il est affaibli. Il est affaibli. Je le redis, son objectif de guerre, c'était de prendre l'Ukraine en 2 mois. Il en est où aujourd'hui ? J'ai très bien adapté à la situation. Comme le disait très bien Monsieur le professeur Vert, il envoie charapater des gens dont il veut se débarrasser. Son hypercynisme fait que 300, 400 000 morts, il s'en fiche complètement. Il a rallié à lui des pays dont on n'aurait pas pu imaginer qu'ils se soient ralliés à lui. Et juste un mot, le vrai test, parce qu'on est tous plus ou moins amnésiques, on oublie si vite les choses. Mais on avait annoncé des grands économistes, des gens, des grands responsables publics, vous allez voir avec le paquet de sanctions, le régime va être fragilisé, etc. Mais quelle rigolade. Enfin, je veux dire, non seulement il n'a pas été fragilisé, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il s'est plutôt renforcé, même si ça a dû secouer ici ou là. Le vrai test, c'est une boîte noire sur le plan politique. Je n'ai pas de solution. C'est les sanctions contre les pays qui aident la Russie à contourner les sanctions. Qui va aller sanctionner les entreprises chinoises aujourd'hui, qui est devenu le partenaire numéro 1? Deuxième puissance économique, qui va les sanctionner les entreprises chinoises? Qui va appuyer sur le bouton « on va sanctionner Pékin » Personne. Qui va sanctionner Erdogan et la Turquie, par lequel passent des flux illicites de centaines de millions de dollars au grand bénéfice de toute la clique de Poutine? Et qui va sanctionner Dubaï et Abu Dhabi, dans le pays futuriste devant lequel on se prosterne tous les matins, et Qatar, où des centaines de millions passent tous les jours pour justement contourner les sanctions au profit de tout le clan des industriels et des oligarques qui sont le soutien numéro un de Poutine et sans lequel il ne peut pas survivre. Alexandre Lavitte. De plus, je pense que les sanctions économiques n'ont pas du tout marché parce que Poutine a réussi de reconstruire l'économie artificiellement par l'industrie de guerre qui marche et qui émerge aujourd'hui. Et qui permet à Poutine en fait à recréer ce processus économique qui a dû se terminer avec les sanctions européennes. Et donc moi je pense que aussi quand on parle des mesures contre Poutine, il faut notamment parler de la guerre en Ukraine et que le front principal de la lutte anti-Poutine, c'est le front ukrainien et la résistance ukrainienne qui a tellement besoin des armes, de l'aide financière aujourd'hui de la part des États-Unis et des Européens, ce sont les Ukrainiens qui sont quelque part l'espoir. Et il faut continuer à aider à l'Ukraine, il faut livrer les armes à l'Ukraine et il faut lutter contre les partis d'extrême droite en Europe. Et contre la droite américaine comme européenne, qui essaye en fait de changer la perspective et de nous éloigner du fait qu'en Europe, toujours depuis 2 ans, ou comme certains disent, depuis 10 ans, il y a une guerre absolument horrible et criminelle qui se passe.
Et ce sera le mot de la fin, puisqu'il est l'heure pour nous de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Alexandre Lavitte, d'être venu sur le plateau ce soir. J'imagine que pour vous, le combat continue à distance depuis la France. Je ne sais pas quelles sont les prochaines étapes des rendez-vous. Bah, moi, je reste ici tant que Poutine est vivant. Puis, on va voir. Revenir en Russie un jour peut-être. J'espère. On l'espère. Ksenia Bolshakova, un grand merci également. Je signale donc votre dernier documentaire qui est disponible sur la plateforme arte.tv, c'est Ukraine, sur les traces des bourreaux, et il est co-réalisé avec Manon Loiseau. William Bourdon, merci beaucoup à vous. Je signale votre ouvrage autobiographique sur le fil de la défense qui est paru il y a quelques mois aux élections du Cherche Midi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Poutine, historien en chef, ça c'est le titre de votre dernier essai, Nicolas Vert. Il est paru dans la collection Tract de Gallimard. Merci à vous. Et je termine avec vous, Valérie Ayé. Merci. On vous souhaite un bon retour au Parlement européen. Et on aura l'occasion, je l'espère, de prolonger sur ce plateau le débat sur l'action de l'Europe face à la Russie de Poutine. Laure, merci également. Ça va ? Une petite toux. On se retrouve demain soir. Ce sera aux alentours de 22h40. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle fin de soirée. À demain.